Bien, bonsoir, très chers auditeurs et amis, et nous allons revenir dans quelques petits instants. Donc, je vois que Pavel est déjà là. On va bien sûr démarrer cette séance dans quelques petites secondes. Ne quittez pas. Donc, voilà, Anastasia vient d'arriver. Alors, bonsoir, Anastasia. Bonsoir. Et puis, nous allons saluer bien sûr Pavel Chatzky ce soir, qui est notre invité d'honneur de ce webinaire. Приветствуем Павла Шацкого, который является нашим почетным гостем на этом вебинаре. Да, Жиль, Анастасия, приветствую вас. Также все гости на вебинаре, все также приветствую вас. Жиль, Анастасия и tous ceux qui participent à ce webinaire, je vous salue également. Merci. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et nous allons laisser, bien sûr, la parole à Pavel parce que nous avons déjà eu l'occasion d'avoir une préparation de questions. Donc, il va pouvoir parcourir les questions que nous avons préparées. Et je vais tout de suite commencer donc par la première. Мы сразу же, Павел, начнем задавать вопросы, и я начну с первого вопроса, который в списке у нас значится. Alors, Pavel, pouvez-vous nous rappeler quelles sont donc vos fonctions? J'ai ce rapport, on a parlé du directeur commercial, et nous expliquer bien où est située la société et nous préciser où vous êtes situé géographiquement en Russie, car vous le savez peut-être, pour certains, Barbara et moi-même, nous avons été visiter les bureaux et c'était fort sympathique. Dites-nous un peu, Pavel, alors que moi et Barbara, nous avons eu l'occasion de nous asseoir dans votre siège, à votre bureau. Voilà, je vous laisse donc répondre et je vous laisse répondre à toutes les autres questions que nous avons déjà préparées. Et tout à l'heure, très chers amis, nous allons pouvoir prendre vos questions en direct. Si vous en avez quelques-unes, posez-les déjà dans le chat. À tout à l'heure, je vous laisse avec Pavel. Первый вопрос такой, Павел, напомните нам, пожалуйста, вот вы являетесь коммерческим директором компании Solar Group, что именно вы делаете, какие у вас функции, где находится вообще компания, где она находится географически в России, потому что вот напоминаю, что мы с Барбарой имели честь навестить, соответственно, посетить Россию, и очень такая была приятная поездка, и, соответственно, Павел, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, и потом, пожалуйста, ответьте на все другие вопросы, а я пока, получается, удаляюсь и в конце вернусь, чтобы еще дать возможность людям задать вопросы напрямую. Да, Жиль, большое спасибо. Компания наша зарегистрирована в Вануату, если говорить о компании Solar Group, коммерческим директором, которой я являюсь. Alors, merci beaucoup, Gilles. Et notre société, je vais le dire tout de suite, est enregistrée à Vanuatu. Et moi, je suis directeur commercial de cette société, Solar Group. Vanuatu, c'est une zone offshore, une zone économique, на территории которой действует британское право, потому что Vanuatu ранее была британской колонией. Vanuatu, c'est une zone offshore, c'est une zone économique où c'est le droit britannique, parce qu'avant, Vanuatu était une colonie britannique. Эта зона имеет ряд преимуществ с точки зрения ведения бизнеса, такого бизнеса, инвестиционного бизнеса. Cette zone a des avantages pour y mener des activités d'investissement. В первую очередь, она, как показывает наш опыт, абсолютно нейтральна с точки зрения экономических и геополитических волнений. Tout d'abord, comme notre expérience le montre, cette zone est neutre du point de vue économique et géopolitique. Против нее не применяются никакие санкции. Соответственно, мы и наши клиенты находятся в безопасности. Il n'y a pas de sanctions qui sont imposées donc sur Vanuatu, donc nous et nos clients sont en sécurité. С точки зрения блокировки счетов или ограничений по различным транзакциям. On est en sécurité concernant le blocage des comptes ou des transactions. Не менее важно то, что Вануату находится в юрисдикции британского права. В британском праве есть законы о краудинвестинге. Et il est important que Vanuatu c'est dans la juridiction du droit britannique et le droit britannique prévoit des clauses concernant le financement participatif, le crowdinvesting. Да, это означает то, что наши инвесторы, так же как и мы, защищены общим законом. Cela veut dire que nos investisseurs, tout comme nous, sont protégés par une loi. Например, когда мы запускали проект в 2017 году, закона о краудинвестинге в России не существовало. Par exemple, en 2017, quand nous lancions juste le projet, il n'y avait pas de loi sur le financement participatif en Russie. Многие африканцы, как никто другой, чувствуют на себе
рынок, который не зарегулирован никак, где не существует закона о краудинвестинге. Les Africains, par exemple, sentent très bien en fait, voilà, cette chose, un marché qui n'a pas de règlement concernant, voilà, concernant ce type de financement. Потому что регуляторы или правительство зачастую в отсутствии законодательства приравнивают деятельность к незаконной. Parce que voilà, le régulateur et le gouvernement, s'il n'y a pas de loi, ont tendance à dire que ces activités sont illégales. Следующее преимущество – это отсутствие налога на инвестиции. Un avantage suivant, c'est l'absence de taxes d'impôts sur les investissements. В России налог на инвестиции составляет 20%. En Russie, la taxe donc d'investissement, c'est 20%. Это означает то, что когда вы привлекли инвестиции, вы уже обязаны оплатить 20%. Cela veut dire que si vous avez récolté des investissements, vous êtes obligé de payer 20% sur cette somme. Да. Ну а также в Вануату было не так сложно получить лицензию на ведение деятельности. Et une autre raison, c'est que il était facile, il était relativement facile d'obtenir une licence pour mener des activités à Vanuatu. В свою очередь, компания, ну нет, еще компания Solar Group создана в такой юридической правовой, организационно-правовой форме, что она имеет право вести только инвестиционную деятельность. Solar Group est créée donc sous une forme juridique qui lui donne le droit de ne mener que des activités d'investissement. Никакой другой коммерческой деятельности она вести не может по закону. Donc cette société, selon la loi, n'a pas le droit de mener d'autres activités d'affaires. А генеральный директор этой компании является менеджером всего лишь компании. Et le directeur général de cette entreprise, c'est juste un gérant de cette société, on peut dire. Сама компания принадлежит инвесторам эквивалентно их долям. Donc lui, c'est un gérant et la société appartient aux investisseurs. Donc leurs parts sont équivalentes à leurs parts qu'ils ont achetées dans la société. В свою очередь, эта компания входит в состав учредителей компании Solmash. Et aussi, cette société fait partie donc des fondateurs de la société Solmash. И на основании устава компании принадлежит 49,5%, и на основании устава дивиденды от прибыли компании распределяются именно в таких пропорциях. Selon les statuts, 49,5% donc de la société appartient à Solar Group et les dividendes sont également distribués selon ce schéma. И коммерческим директором компании Solar Group я являюсь. Et moi donc je suis directeur commercial de la société Solar Group. Да, мои основные задачи – это своевременное привлечение денег для финансирования проекта. Ma tâche principale, c'est de récolter en due temps les fonds pour financer le projet. То есть эффективное обеспечение инвестициями, создание инфраструктуры в лице различных специалистов коммерческого блока и эффективное привлечение денег, инвестиционных денег. Donc, ma tâche, c'est de créer donc, une infrastructure, donc des gens, des spécialistes qui travaillent dans le bloc commercial et aussi d'attirer les fonds de sorte que le projet puisse être financé de manière efficace. Создание различных стимуляционных мер, различных инфоповодов, всего того, что делает привлекательным наш проект для инвесторов. C'est aussi stimuler, donc voilà, avoir des mesures de stimulation, aussi, par exemple, créer des informations et voilà, parler de choses. Donc, faire tout pour rendre le projet attirant pour les investisseurs. Если говорить более предметно, это, например, организация создания сначала условий для работы партнеров в виде партнерской программы, а также организация деятельности партнеров силами руководителя партнерской сети. Donc c'est la création des conditions pour qu'il y ait un programme de partenaires, pour que les partenaires puissent y participer, et c'est aussi l'organisation de leur travail. C'est le directeur du réseau de partenaires qui
chef de cela, qui est en tête de ce processus. Да. Например, партнерское, наше партнерское вознаграждение в сумме составляет на сегодняшний день более 50%. Это 54% мы имеем право оплатить партнерам за привлечение инвесторов и за их деятельность по продвижению проекта. Par exemple, en ce qui concerne la récompense des partenaires, à ce jour, c'est plus de 50%, c'est-à-dire que nous avons le droit de récompenser les partenaires qui promeuvent le projet, donc au montant de 54% de la somme. Вот здесь, в свою очередь, моя задача не только создать условия для привлечения инвестиций и продвижения проекта в лице партнеров, но и задача сделать это максимально эффективно. Et donc, ma tâche, c'est de créer des conditions pour rendre le projet attirant et c'est aussi pour que, voilà, créer des conditions pour que les partenaires puissent promouvoir le projet et le faire de manière, de la manière la plus efficace possible. Что я имею в виду под словом эффективно, это, допустим, наш маркетинг, он имеет базу сетевого маркетинга, и особенность его в том, что мы оплачиваем, то есть не сетевого больше, а агентского, мы оплачиваем только за результат, только за инвестиции, не проверяя лично гипотезы, теряя на этом свои средства. Qu'est-ce que cela veut dire efficace? Cela veut dire que du point de vue de marketing, nous avons le marketing de réseau. Donc, c'est plutôt un schéma d'agence. Cela veut dire que nous payons seulement pour le résultat et nous ne dépensons pas de fonds sur la vérification des hypothèses. И при всем при этом мы создаем такие условия, чтобы партнеру было неинтересно выводить денежные средства из проекта. Et aussi, on crée des conditions pour que cela ne soit pas intéressant pour les partenaires de retirer l'argent du projet. На сегодняшний день 38% инвестиций в проект пришли от партнеров. Aujourd'hui, donc au jour d'aujourd'hui, 38% d'investissements dans le projet sont venus des partenaires. И всего 12% из 54 партнеры выводят для реализации своих личных нужд вне проекта. Et les partenaires retirent seulement 12% sur 54% gagnés pour, voilà, pour subvenir à leurs propres besoins en dehors du projet. 12 sur 54. Благодаря такой эффективной модели продаж мы смогли развиваться в более чем 200, развиться более чем в 200 странах. Grâce à ce modèle donc très efficace de vente, nous avons pu nous développer dans plus de 200 pays. Головной офис компании находится в России, в двух городах, это в Москве и в Сочи. Le siège de l'entreprise se trouve en Russie dans deux villes, la ville de Moscou et la ville de Sochi. Если бы у нас была альтернативная модель маркетинга, например, прямых продаж через отдел продаж, нам бы понадобилось очень много времени и средств для исследования рынка, тестирования гипотез, создания рекламных кампаний, креативов и всего прочего. Si nous avions un modèle alternatif de vente, donc c'est-à-dire les ventes directes, si nous avions voilà, un département à part pour vendre, cela voudrait dire que nous dépenserions beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur les activités de marketing, sur la vérification des hypothèses, sur la publicité, etc. Но благодаря такой эффективной модели маркетинга, где модели win-win, где все выигрывают, мы смогли приобрести экспертность тех людей, которые занимаются продвижением на рынке, за небольшую с точки зрения маркетинга плату. Mais grâce à ce modèle efficace de vente, nous avons pu donc, on peut dire, éduquer en quelque sorte les experts et donc les former. Voilà. Et maintenant, ces gens promeuvent le projet et le font donc avec une récompense relativement petite par rapport au coût que le marketing a d'habitude. Donc, c'est vraiment un schéma gagnant-gagnant. Да, при этом нам удалось удовлетворить потребности всех трех сторон в лице партнеров, инвесторов и проекта. И nous avons pu satisfaire les besoins des trois parties. Donc, ce sont les partenaires, les investisseurs et le projet lui-même. Но всем процессом в маркетинге надо управлять, и
к сожалению, а может быть, к счастью, всегда необходимо быть гибким и придумывать какие-то новые решения, потому что иногда людям что-то надоедает, иногда хочется чего-то нового, они устают морально, допустим. Вот. И в мою обязанность также входит в создание стимуляционных мер как для партнеров, так и для инвесторов. Mais vous savez, il faut gérer le marketing et voilà, heureusement, malheureusement, il faut être flexible parce que les gens s'ennuient. Des fois, voilà, les gens veulent quelque chose de nouveau, ils sont fatigués, voilà, des choses, ils se lassent des choses qui se répètent. Et donc, voilà, je m'occupe également de création des mesures de stimulation des partenaires et des investisseurs pour les motiver plus. Не совсем правильно говорить то, что я это делаю. Скорее, я это инициирую и управляю. А, конечно же, у нас работает большая команда, больше 100 человек, и мы вместе командой, каждый, вращая свой винтик, делаем этот результат. Ce n'est pas tout à fait correct de dire que je le fais moi-même, ce n'est pas vrai. J'initie les choses et je gère les choses. Sinon, on a une grande équipe, plus de 100 personnes, et chacun, c'est comme un petit boulon dans ce grand système, chacun fait sa tâche. Команда у нас большая и диверсифицированная по миру, то есть мы живем и в Азии, и в Африке, в Латинской Америке, в Канаде, в России, в Казахстане. То есть очень, очень диверсифицированная команда. Nous avons une équipe très grande et très diversifiée. On a des gens en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Canada, en Russie, au Kazakhstan. C'est très varié. Это также наше эффективное преимущество с точки зрения взаимодействия, допустим, работы в разных часовых поясах, понимания ментальности разных народов. В чем еще диверсификация? Разные люди собрались и объективно собирается очень интересный эффективный симбиоз. Donc, cela a aussi un autre avantage parce que voilà, cette diversification, elle se traduit par deux choses différentes. Voilà, on travaille dans des fuseaux horaires différents et on a des mentalités différentes, on est des gens différents et c'est très intéressant et on crée une sorte de symbiose, on peut dire. Я прошу прощения, у меня вылетела мысль из головы. Я сегодня прилетел в Казахстан, здесь уже 1:30 ночи, но я вспомнил, что хотел сказать. Excusez-moi, j'ai en fait oublié de dire une chose. En fait, je suis au Kazakhstan et maintenant il est 1:30 du matin et j'ai oublié une chose, mais je vais vous le dire maintenant. Да, относительно преимуществ такого вида диверсификации хотел сказать, что когда наступила пандемия, и люди, которые работали в офисе, они испытывали стресс, когда им приходилось работать дома, вот, а мы никогда и не работали в офисе. То есть у нас либо была гибридная модель работы, когда мы приходили в офис для того, чтобы провести совещание, обсудить что-то, но много времени наши сотрудники находятся дома и работают из дома. Вот. И когда наступил локдаун, то есть мы сказали, как бы, а что изменилось-то? Un autre avantage, donc voilà, c'est, vous savez, quand il y avait la pandémie, les gens qui avaient l'habitude de travailler du bureau, ils étaient sous le stress parce que voilà, ils se disaient, voilà, qu'est-ce que je peux faire à la maison, comment je peux survivre. Mais nous, on n'a jamais travaillé du bureau en fait. On a toujours eu un format plutôt hybride. Cela veut dire que les gens venaient au bureau pour des réunions, pour discuter des choses, etc., etc. Mais sinon, on travaille voilà, à domicile. Et donc, pour nous, on peut dire que, voilà, quand il y a eu ce confinement, on s'est dit, et alors, et qu'est-ce qui a changé? Rien, en fait. Также большую часть моих задач занимает это проект национальных и вице-национальных представительств. Une autre donc grande partie de mon travail, c'est le projet de bureau de voilà oui de représentation nationale et aussi voilà des représentants nationaux et des vice représentants nationaux. Это создание условий для работы национальных партнеров и последующей инфраструктуры в виде регулярных мероприятий. Вот сейчас я прилетел в Казахстан на конференцию. У нас в месяц проводится более 90 вебинаров и более 30 живых презентаций.
Ah, oui, bien sûr que voilà, cela s'appelle un partenaire national et voilà et moi je dois créer l'infrastructure et les conditions pour un bon travail des partenaires nationaux et des vice-partenaires nationaux. Et maintenant je suis au Kazakhstan, je suis venue pour une conférence et sinon on a par exemple plus de 90 webinaires par mois et plus de 30 événements en présentiel par mois. Да, и здесь, как и в партнерской деятельности, ничто не стоит на месте, всегда локально происходят какие-то события, где-то необходимо стимулировать инвесторов, партнеров, где-то необходимо в новостях что-то подсвечивать, проводить, организовывать большие конференции, чтобы люди приезжали, заряжались, знакомились. Вот это большую очень часть занимает моих функций именно организация международной деятельности. Et vous savez, comme dans d'autres secteurs, tout bouge ici. Et vous savez, il faut organiser des événements locaux et stimuler des gens, motiver les gens, les investisseurs et les partenaires, les deux. Il faut qu'il y ait des actualités, des nouvelles. Il faut qu'il y ait de grandes conférences de temps en temps pour que les gens viennent. Et voilà. Et donc, aient cette énergie et fassent connaissance les uns des autres. Et tout cela fait aussi une grande partie de mes fonctions au sein de l'entreprise, c'est-à-dire l'organisation des événements internationaux. Да, также в мои обязанности входит международная экспансия. То есть в 2018 году, когда я стал руководителем партнерской сети, как раз передо мной стояла задача о международной экспансии компании. Et aussi, je m'occupe de l'expansion internationale de l'entreprise. En 2018, quand je suis devenue chef du réseau de partenaires, voilà, c'était une de mes tâches. Donc, c'est l'expansion internationale, comme je l'ai déjà dit. Да, это вместе с командами партнеров в регионе, которые показывают личный результат. В последующем мы помогаем им развиваться в командном результате, развивать регион, создаем для них инфраструктуру для работы, постоянно работаем с клиентами, изменяем что-то пытаемся улучшить под конъюнктуру рынка. Вот тут большая, тоже большой часть функционала моего занимает. Et aussi, c'est le travail avec les équipes des partenaires, c'est-à-dire voilà, le développement des régions. D'abord, on aide les partenaires nationaux au niveau personnel, et puis on aide leurs équipes à avoir le résultat. Puis voilà, on développe toutes les régions, on crée l'infrastructure, on travaille avec les clients, on change certaines choses, et voilà, on fait des choses pour améliorer la conjoncture du marché. Voilà, tout cela, c'est aussi une grande partie de mon travail. Если подвести короткий итог, это вся деятельность коммерческая, которая ведет нас к финансовому результату, и вся такая же операционная деятельность уже, которая сформировалась, которую необходимо оптимизировать, где-то улучшать. Но все исключительно ради финансового результата, ради финансирования проекта. Donc, pour résumer, tout cela, c'est pour financer le projet, voilà, du point de vue commercial, pour avoir le résultat financier. Et aussi, il y a, voilà, du travail opérationnel, c'est-à-dire le travail d'optimisation, d'amélioration. Mais le but final, c'est de financer le projet. Ну, также я люблю участвовать в вебинарах. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, где-то в 20 вебинарах в месяц я участвую с большим удовольствием, отвечаю на вопросы наших клиентов, международных клиентов, потому что мы открытая компания, и все наши взаимоотношения на том рынке инвестиций, на котором мы работаем, они по большей части основаны на доверии друг к другу. Et aussi, j'aime beaucoup participer aux webinaires. Je ne sais pas si c'est bien ou pas trop. Je participe à plus de 20 webinaires par mois et je le fais avec plaisir. Je suis très heureux toujours de répondre aux questions des clients internationaux, parce que nous sommes une société ouverte et sur ce marché d'investissement, toutes les choses sont basées sur la confiance et voilà, c'est important pour nous. Что касаемо офисов компании, офисы у нас есть операционные, а есть, так сказать, презентационные для клиентов и работы партнеров. En ce qui concerne les bureaux, on a les bureaux opérationnels et on a les bureaux de représentation, on peut dire, pour travailler avec les clients et pour que les partenaires puissent y travailler également. Да, у нас есть в Азии, во Вьетнаме офис, в нескольких странах в Африке, сейчас точно не помню, в Нигерии есть офис.
если не ошибаюсь, в Бенине. Но вот тут лучше уже Левабера спросить, честно, сейчас ночью не вспомню, в каких странах. Вот. Но у нас была большая программа и большое желание открыть офисы в каждом национальном представительстве. Но пандемия сыграла с нами такую небольшую, ну, это, усложнила нам этот процесс, вот, и мы решили подождать немного. Ну и вот пока еще все ждем. Но с большим удовольствием я бы хотел открывать офисы во всех странах, потому что мы сейчас находимся в такой фазе, когда офисы уже необходимы для дальнейшего развития дистрибьюторской сети и продвижения самой технологии, предоставления информации о самой технологии, когда можно пощупать. Vous savez, on a par exemple un bureau de représentation en Asie, au Vietnam, dans quelques pays africains, au Nigeria, au Bénin, je crois. Mais il faut le demander à Gilles Weber parce que là, il fait tard, je ne me rappelle plus trop. Et sinon, voilà, on avait un grand projet d'avoir un bureau dans chaque voilà, pays de représentation nationale. Mais la pandémie donc, est survenue et il est devenu difficile de le faire. Et on a décidé d'attendre et on attend toujours. Mais je voudrais bien qu'on ait des bureaux dans chaque pays. Maintenant, c'est vraiment nécessaire pour le développement ultérieur, le développement du réseau de distribution de la technologie. Donc, pour fournir les informations sur la technologie elle-même. Да, перейдем к следующему вопросу. Анастасия, у вас он есть или мне прочитать его? Так, я сейчас открою. Одну секундочку. Stage Solar Group собирает средства для проекта Solmash. Вот этот вопрос. Oui, on va donc maintenant passer à la question suivante. Oui, Solar Group récolte donc des fonds pour le projet Solmash, des moteurs du Unova. Nous avons dans ce projet parcouru déjà 17 étapes. Enfin, la 17e n'est pas terminée. Peut-on avoir une estimation de la fin de l'étape en cours, mais aussi les hypothèses pour l'étape 20? Да, относительно 17-го этапа, естественно, мы знаем, когда он закончится. En ce qui concerne l'étape 17, bien sûr, on sait quand elle va se terminer. Мы планируем завершить его. Он сейчас связан с реализацией проекта по части некоторых крупных работ. Maintenant, cette étape est donc liée au projet en ce qui concerne les gros travaux à faire. Сейчас часть из них частично уже завершена. Вот, и мы планируем летом завершить инвестиционный этап. Une partie de ces travaux est déjà terminée et en été, en fait, cet été, on a l'intention de finir, de terminer cette étape d'investissement. Перед этим мы планируем провести крупную конференцию в Москве, прямо где находится Технополис, на 350 человек. Avant cet événement, on veut donc avoir une grande conférence à Moscou sur le territoire du Technopolis et inviter 350 personnes. Эту конференцию посетят инвесторы из большинства стран, где открыто представительство, а также партнеры, национальные партнеры и вице-национальные партнеры. Donc cette conférence va être donc visitée. Qui va venir à cette conférence? Les investisseurs qui viennent des pays où il y a des représentations nationales et aussi des partenaires, des vice-partenaires, les partenaires nationaux. Да, что касаемо тех работ, о которых идет речь, вышел 18 мая, возможно, у вас чуть-чуть позже пост, в котором описываются те работы, которые необходимо завершить в этом инвестиционном этапе. En ce qui concerne les travaux à finir au cours de cette étape d'investissement, le 18 mai, on a eu une publication avec la description de ces travaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu ou peut-être ça sera un petit peu plus tard. Да, мы сейчас для удобства пользования клиентов готовим roadmap в виде дорожной карты, такой змейки, прям где будем описывать в личном кабинете, какие работы необходимо совершить и сколько инвестиций необходимо для этого привлечь. On va maintenant créer une feuille de route pour nos clients, donc dans le back-office. Ça sera voilà, comme un schéma où on pourra voir les travaux à faire et combien d'investissements cela requiert. Относительно тех работ, которые завершили в рамках этого этапа, это межэтажные перекрытия.
En ce qui concerne les travaux qu'on a finis dans le cadre de cette étape, ce sont les partitions entre les étages. В основном это бетонные работы, это лифтовые шахты залиты, лестничные пролеты, фундамент. Ce sont les gaines d'ascenseur, les puits d'ascenseur, ce sont les marches d'escalier, c'est la fondation. Подготовлен, собран и подготовлен полностью каркас здания, почти готовы на 96% стены. C'est voilà, les travaux de béton, l'ossature du bâtiment est presque prête et les murs sont prêts à 96%. На 92% завершена кровля. La toiture est terminée à 92%. На 90% завершены межэтажные перегородки. Les partitions donc, entre les étages sont terminées à 90%. И на 78% завершена установка окон, остекление здания. Et en ce qui concerne les fenêtres, c'est terminé à 78%. А как эти работы завершатся, будет объявлено о завершении работ в рамках этого этапа и объявлен срок, ну, как правило, это один месяц на завершение инвестиционного этапа. Et donc, dès que ces travaux sont finis, on va déclarer voilà, la fin de l'étape. Et d'habitude, voilà, on donne un mois avant la fin de l'étape. Что касаемо завершения 20-го инвестиционного этапа, он также связан именно с работами по сдаче в эксплуатацию здания ПКТБ. En ce qui concerne... En ce qui concerne l'étape 20, c'est aussi lié à certains travaux et dans ce cas, c'est la mise en service du bâtiment du bureau d'études. На сегодняшний день по плану конструкторское бюро должно быть сдано во втором квартале 2023 года. Donc au jour d'aujourd'hui, selon le plan, le bâtiment doit être mis en service au deuxième trimestre de l'année 2023. Не часто, но иногда люди говорят то, что мы ранее говорили другую дату, вот, а сейчас мы уже скорректировали дату. Pas souvent, mais il arrive que des gens disent que avant on parlait d'une autre date et maintenant on a corrigé la date. И в том числе объем привлекаемых инвестиций. Et qu'on a corrigé en quelque sorte le volume des fonds nécessaires. Здесь, наверное, меня поймут те люди, которые либо в частном порядке, либо в каком-то корпоративном смысле занимались строительством. Là, les gens qui ont fait de la construction dans leur vie, voilà, en tant que voilà, personne privée ou en tant que voilà, employé d'une entreprise, ceux qui ont fait de la construction dans leur vie. С начала реализации проекта уже прошло 4 года. Cela fait 4 ans depuis le début du financement du projet. Это означает то, что 4 года назад был создан бизнес-план, план реализации, ну, план финансирования, план реализации проекта с учетом тех норм и стоимости работ, которые рассчитывались еще в 2017 году. Cela veut dire qu'il y a 4 ans, on a donc établi le plan d'affaires, le plan de financement, le plan de réalisation selon les normes et selon les coûts estimés des travaux qui étaient donc d'actualité là en 2017. И в процессе реализации проекта, в процессе строительства действуют как экономические, так и ну, человеческие, можно сказать, факторы, когда какие-то работы или материалы становятся дороже, например, инфляция повышается и вообще в целом деньги становятся дешевле, или какие-нибудь подрядчики, которые выбраны были по какой-то причине, не делают работы или делают ее менее качественно и приходится переделывать, что увеличивает срок строительства и объем финансирования. Vous savez, au cours de la réalisation du projet voilà, de construction, il peut y avoir des raisons économiques, aussi le facteur humain, par exemple, le fait que les matériaux peuvent devenir plus chers, qu'il y a l'inflation, que voilà, l'argent perd aussi sa valeur avec le temps. Et parfois, par exemple, des fournisseurs, ils ne font pas de travail voilà, prévu ou ils le font
pas assez bien et là donc il faut remplacer les fournisseurs et tout cela augmente les délais du projet et aussi augmente le volume de l'investissement nécessaire. Et люди, которые никогда не имели отношения к строительству, они удивляются, ну как же так, вот вы обещали, а вот сейчас уже 2022 год. Les gens qui n'ont jamais fait de construction donc sont surpris, sont étonnés, ils disent mais pourquoi vous avez promis des choses, on est déjà en 2022. А люди, которые имеют отношение к строительству, они удивляются, что мы вообще смогли строить и придерживаться графику и смете во времена пандемии и таких геополитических волнений. И ceux qui ont fait de la construction dans leur vie, eux, ils sont aussi surpris, ils sont aussi étonnés, mais pour d'autres raisons, ils se demandent comment c'est possible que l'entreprise a quand même continué la construction et a tout fait, en fait, selon le planning, malgré la pandémie et malgré ces turbulences géopolitiques. И потому что во времена пандемии многие компании обанкротились строительные, потому что была очень высокая волатильность на рынке как строительных материалов, так и на рынке труда творилось что-то, американские горки творились. Вот. Но благодаря профессионализму команды Дмитрия Александровича Дуйнова и нашей с вами поддержке мы очень твердо стоим на ногах и планируем закончить этот проект и удовлетворить Et vous savez, pendant la pandémie, beaucoup d'entreprises de construction et d'autres ont fait faillite parce que, par exemple, le prix pour les matériaux de construction ont beaucoup augmenté et la main-d'œuvre a aussi augmenté, voilà, dans le prix. Et mais par contre, nous, grâce aux professionnalisme de M. Dionov et grâce au soutien de tout le monde, nous avons pu donc survivre très bien ce temps-là et nous avons bien l'intention de finir le projet et satisfaire tous les besoins des investisseurs. Если раньше, там, в 2017-2018 году, мы относились к проекту компании Solar Group, ну, наверное, как к бизнесу, да, вот есть бизнес-задачи, мы их реализуем, мы зарабатываем деньги, проект реализуется, классно. Но сейчас мы относимся к проекту, наверное, так, как к нему относился с самого начала Дмитрий Александрович Дуйнов, как к своему ребенку, единственному шансу, который при любых условиях должен существовать и выполнять обязательства. Vous savez, en 2017-2018, quand on a commencé juste, pour nous, Solar Group, c'était bon, juste voilà, un projet d'affaires. Nous voulions le réaliser, gagner de l'argent, voilà, c'était très bien. Mais maintenant, on a changé d'attitude et je pense que maintenant, on a l'attitude que M. Dionov avait donc vers le projet dès le début. C'est-à-dire que ce projet, c'est comme un enfant, un bébé et on veut tout faire pour, voilà, pour que cela se réalise, pour que cela existe. Et pour remplir nos obligations vis-à-vis du projet. Да, это наш с вами бизнес. Я такой же инвестор, как и вы. И Сергей Семенов также инвестирует. Я не помню, у него там пакет на 300 тысяч долларов, по-моему. То есть мы являемся инвесторами сами и являлись партнерами в самом начале. Вот. И это наш с вами бизнес. Мы на равных условиях. Только перед нами еще стоят обязательства, ну, наверное, в целом, как и перед вами, да, обязательства по обеспечению нашего бизнеса ресурсами для достижения коммерческих результатов. Et vous savez, c'est notre business et moi, je suis investisseur tout comme vous et Sergei Semenov, il est aussi investisseur. Je crois qu'il a investi 300 000 dollars dans le projet et au début, on était tous nous-mêmes des partenaires. Donc, nous sommes en fait égaux, vous et nous. Et c'est juste que nous avons des obligations supplémentaires, mais peut-être vous aussi. Je veux dire que notre obligation, c'est aussi de fournir les ressources pour, je le répète encore une fois, donc attendre la réalisation commerciale du projet. Да, давайте перейдем к следующему вопросу. Maintenant, on va passer à la question numéro 3. L'on constate une recrudescence des ouvertures de pays par des représentations nationales, dont celle de la Colombie, il y a quelques jours. Parfois, les membres pensent que ce sont de vrais bureaux physiques. Peut-on réexpliquer ce que cela représente réellement et les ouvertures prévues prochainement? Dans quel pays? Ну, да, я
Относительно открытия представительств, если не ошибаюсь, у нас сейчас открыто 19 или 20 представительств. Открытие представительства подразумевает не то, что проведение конференции. Открытие представительства – это подписание договорных взаимоотношений с национальным партнером. On a maintenant, je crois, 19 ou 20 donc, représentations nationales. Et vous savez, ouvrir une représentation, ce n'est pas juste tenir une conférence. C'est aussi signer un accord avec un partenaire national. После которой начинается активная деятельность в создании инфраструктуры, простым языком, условий для беспрепятственного деятельности инвестиционной и партнерской для граждан страны, где мы планируем провести конференцию открытия. И вы знаете, donc après cela, on crée une infrastructure ou bon pour le dire de manière plus simple, on crée des conditions pour qu'il n'y ait pas d'obstacle pour que les citoyens du pays où on va avoir une conférence puissent être investisseurs et partenaires sans entrave. Как правило, это состоит из нескольких ключевых аспектов. D'habitude, cela englobe plusieurs aspects clés. Это в первую очередь юридический аспект, то есть мы оцениваем законодательство страны и корректируем различные юридические документы под законодательство, получаем лицензии, открываем компании, открываем банковские счета. Donc, tout d'abord, c'est l'aspect légal, juridique, et qu'est-ce que cela veut dire? On se penche sur les lois du pays et on ajuste nos documents pour qu'ils soient conformes donc, à la législation du pays. Cela veut dire voilà, des licences, voilà, la création d'une entreprise, d'une entité légale, des comptes bancaires, etc. И самое сложное, наверное, для нас – это работать в странах, где законодательство, которое регулирует эту деятельность, оно отсутствует. Et je crois que la chose la plus difficile pour nous, c'est d'opérer, de travailler dans le pays où une loi nécessaire est absente. Да, в юридический аспект входит также создание условий, различных норм по идентификации, верификации наших клиентов из той страны, где мы открываем представительство. Donc, l'aspect juridique englobe également la création des conditions pour effectuer l'identification, c'est-à-dire la vérification des clients dans le pays où on veut ouvrir une représentation nationale. Потому что наша задача не только привлечь деньги, но наша работа выполнена будет тогда, когда инвестор из этой страны на законных условиях сможет стать совладельцем. Юридически совладельцем компании Solarmash через компанию Solar Group. Parce que vous savez, notre tâche, c'est d'attirer les fonds, bien sûr, mais c'est aussi de faire de sorte, donc on peut dire que notre travail sera fini quand les investisseurs du pays donc, auront la possibilité et le droit, de manière légale et tout à fait officielle, de devenir copropriétaire de la société Solarmash à travers Solar Group. Поэтому нам необходимо, так необходимо создать, собрать все данные о клиенте. Есть такая международная норма KYC, называется, это «Знай своего клиента», вот, для инвестиционных проектов. Et donc, il nous faut collecter les données sur nos clients. Vous savez, il y a un standard, une norme internationale qui s'appelle donc en anglais KYC, c'est-à-dire donc connaître ton client. Donc, cette norme donc, fonctionne dans le domaine d'investissement. Да, поэтому такие правила, многие жалуются на правила по верификации, но, к сожалению, мы не можем более мягко относиться, более лояльно относиться к верификации, потому что это, ну, в первую очередь, ответственность инвестора, который сможет на себя зарегистрировать инвестиционные доли, а не ответственность компании. Вот, поэтому мы берем еще ответственность и за инвестора, потому что они не всегда осознают необходимости в данном процессе верификации. Et vous savez, parfois, il y a des plaintes
concernant ce processus de vérification, mais franchement, on ne peut pas être plus doux et plus souple à cet égard parce que voilà, c'est obligatoire. Et en fait, normalement, c'est la responsabilité non pas de l'entreprise, mais de l'investisseur lui-même ou elle-même, donc voilà, de faire donc toutes ces procédures nécessaires pour voilà, assurer l'acquisition, voilà, de son pack, mais nous comprenons que parfois les gens ne comprennent pas tout à fait la valeur de ce processus et nous prenons nous-mêmes cette obligation sur nous, cette responsabilité. Да, после создания финансовой инфраструктуры мы создаем, ой, юридической инфраструктуры мы создаем финансовую инфраструктуру, где инвесторы могут инвестировать, то есть пополнять личный кабинет, а также выводить реферальное вознаграждение. Après l'aspect juridique, on travaille également sur l'aspect financier. Qu'est-ce que cela veut dire? On crée donc des conditions pour que les investisseurs puissent alimenter leur compte dans le back office, pour qu'ils puissent retirer leurs récompenses référentielles, etc. Да, этот вопрос всегда очень очень у нас находится в таком компромиссном состоянии, потому что во многих странах, допустим, Африки, Азии, есть у всех инвестиционных проектов есть сложность с пополнением личного кабинета. Vous savez, là, il faut atteindre un certain compromis. Là, on a un certain compromis parce que dans beaucoup de pays, en Afrique, en Asie, en ce qui concerne les activités d'investissement, les gens ont souvent des problèmes concernant l'alimentation de leur compte dans le back-office. И инвесторы, допустим, пишут нам иногда, вот в том хайповом проекте есть такая платежная система, а вы вот ее не можете подключить. Et parfois, on nous écrit, vous savez, il y a un projet voilà, très super populaire, voilà, du hype, comme on dit, et eux, ils ont un service de paiement. Pourquoi vous ne pouvez pas connecter le même service? Да, и в чем модель, это, в чем вопрос компромиссный, потому что очень часто те платежные агенты, которые предоставляют свои услуги, они, с одной стороны, ненадежны могут быть, вот, потому что бывали случаи, что наши деньги просто воровали часть денег. Хорошо, у нас есть определенная модель взаимодействия с ними, где у нас нет больших капиталов на счетах у этих платежных агентов. Вот, а также очень высокие комиссии. У тех, кого легко пополнить, комиссии могут достигать 20%. То есть это очень много. Pourquoi je dis que c'est un compromis? Parce que vous savez, souvent, les agents voilà, qui effectuent le paiement ne sont pas fiables. Et, par exemple, parfois, ils volent l'argent. On a eu cette situation voilà, quelquefois. Heureusement, notre modèle est fait de sorte qu'on n'a jamais de gros capital, de gros capitaux, et donc il n'y a pas d'interaction trop intense avec ces agents qui ne sont pas fiables. Et une autre raison, c'est que les commissions sont des fois très élevées. Parfois, voilà, si on sait que l'alimentation du back-office va se produire très facilement, très souvent, cela entraîne des commissions de 20% et c'est très très élevé. Да, и здесь вот вопрос финансовой архитектуры, он всегда такой компромиссный, где мы выбираем либо это легкая доступность к пополнению, либо это стоимость денег. То есть всегда в балансе и в поиске новых платежных агентов находимся. Et donc, en ce qui concerne l'architecture financière, on cherche toujours ce compromis. Donc, d'un côté, avoir un accès assez libre et voilà, une bonne disponibilité pour, bien, voilà, pour alimenter facilement le compte, le back-office. Et d'autre part, il faut que voilà, l'argent ne perde pas sa valeur. Et il faut que la commission ne soit pas trop élevée. Et donc, on cherche tout le temps, on est tout le temps à la recherche de cet équilibre. Ну да, и, конечно же, наверное, самое главное – это создание возможности инвесторам получать информацию. Это если наш личный кабинет, официальные источники, новостная повестка, вебинары не будут переведены на язык представительства, то мы не сможем взаимодействовать с клиентом. Ну, просто не будем понимать друг друга. И
Un autre aspect important, c'est qu'il faut que les investisseurs donc, soient au courant des informations, des actualités. Il faut voilà, qu'il y ait des webinaires, voilà, qu'on propage des informations. Parce que, et en fait, toutes ces informations doivent être traduites en la langue natale des investisseurs. Parce que si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas interagir juste parce qu'on ne pourra pas se comprendre. В том числе и взаимодействие с технической клиентской поддержкой, когда клиенты обращаются к нам за помощью, с вопросами. Et cela inclut également voilà, le travail du service client, voilà, du support technique, parce que des fois, des clients voilà, nous adressent leurs questions. Да, ну и, конечно же, самый главный аспект, если опустить какие-то небольшие, то это люди, это команда людей, которые занимаются, горят этим, имеют желание. Свой личный результат и хотят развивать регион. Это наши национальные партнеры, вице-национальные партнеры, помощники. Это наши партнеры в регионе. Без них, конечно же, бы ничего не получается развивать. Et bien sûr, un autre aspect essentiel, ce sont les gens, les équipes, les gens qui travaillent dans les régions, qui travaillent pour leurs propres résultats personnels et aussi qui sont motivés pour, voilà, pour faire cette tâche. Ce sont les partenaires nationaux, les vice-partenaires nationaux, les assistants. Voilà, sans eux, bien sûr, on ne pourrait pas faire grand-chose. Я от лица команды выражаю огромную благодарность тем партнерам, которые занимаются продвижением информации, привлечением клиентов, поддержкой клиентов. Огромная вам благодарность за те результаты, которые мы сегодня достигли. Et donc, du nom, voilà, de la part de l'entreprise, je dis un grand merci aux gens, aux partenaires qui promeuvent le projet, qui propagent les informations, qui attirent les investisseurs, les fonds, qui soutiennent les clients. Un grand merci et merci beaucoup pour ce résultat. Ну и вот с момента подписания контракта с национальным партнером, вот совсем недавно мы подписали контракт с Джулием Лейбером по открытию представительства в Гаити, вот, и происходит вот этот двух-трехмесячный процесс создания условий для работы. Et donc voilà, on signe un contrat avec le partenaire national. Il y a quelque temps, on a signé un contrat avec Gilles Weber pour Haïti. Et donc, et après cela, il faut 2 ou 3 mois pour créer les conditions pour un bon travail. И кульминацией которого является конференция открытия национального представительства и офиса в тех национальных представительствах, где это целесообразно делать. И le point culminant de cette de ce travail de préparation, c'est justement la conférence d'ouverture de la représentation nationale. Et parfois, là où c'est voilà, pratique et c'est raisonnable, on ouvre également un bureau. Да, и как я уже говорил ранее, офисы у нас делятся на две части, на два вида. Это, ну, наверное, как и во многих компаниях, это операционные офисы, где сотрудники выполняют операционную работу. Вот, а также офисы для наших клиентов, для потенциальных клиентов в лице там, правительства, инвесторов, партнеров, бизнеса, представителей бизнеса. Это презентационный офис. Et on a donc 2 types de bureaux. Je pense que c'est le cas pour toutes les entreprises. On a les bureaux opérationnels, là où on effectue justement le travail. Et il y a aussi les bureaux pour nos clients, pour les clients potentiels, pour les investisseurs, pour le gouvernement, pour les partenaires. Donc, on peut dire que ce sont des bureaux de représentation. Да, и в связи с пандемией было такое небольшое затишье относительно международной экспансии, потому что были ограничения как внутренние, локальные, так и ограничения по передвижению, просто по логистике. Вот. И сейчас мы опять возобновляем активную деятельность по экспансии. Et vous savez, à cause de la pandémie, on a eu un certain arrêt en ce qui concerne l'expansion internationale parce qu'il y avait beaucoup de limitations, voilà, le logistique et voilà, local dans les pays et on ne pouvait pas trop se déplacer. Mais maintenant, on restaure de manière très active ces activités et maintenant, voilà, on y est et on y travaille de manière très intense. Да, несколько дней назад мы на прошлых выходных открыли представительство в Колумбии.
Il y a quelques jours, le week-end dernier, on a ouvert un bureau de représentation, une représentation nationale plutôt, en Colombie. В ближайшее время мы планируем в этом году открыть представительство в Казахстане, в Македонии, в Испании, в Мексике, в Бразилии, ну и Гаити. Cette année, donc, on va ouvrir encore des représentations nationales au Kazakhstan, en Macédoine, en Espagne, au Mexique, au Brésil et à Haïti. Да, и также мы планируем и создаем программу по локальному развитию регионов, в которых мы развиваемся. Это и с точки зрения выхода на новый юридический уровень, когда мы открываем компании, получаем новые лицензии, делаем такой фундамент для будущей деятельности, для привлечения больших капиталов от физических лиц, для получения корпоративных капиталов, для создания целой видов деятельности инвестиционных в некоторых странах, где еще нет законодательства. Вот такие локальные шаги мы уже крупные, как взрослые компании делаем. Et on fait également donc, beaucoup de choses à l'échelle locale pour développer les régions, c'est-à-dire voilà, qu'on obtient de nouvelles licences, on crée de nouvelles entités légales et tout cela pour attirer plus de capitaux dans le futur, les capitaux des gens voilà, privés, des particuliers et aussi voilà, des capitaux corporatifs. Et donc pour cela, par exemple, on établit de nouveaux types d'activités dans le pays, les activités d'investissement, là où il n'y a pas encore de loi là-dessus. Donc, nous sommes une entreprise assez mature et on agit donc en fonction de cela. Да, потому что по рамкам, по оценке крупного бизнеса мы еще являемся мелким стартапом, который только встает на ноги, у которого формируется корпоративная культура, клиентская база, кейсы, положительный опыт создается. Вот, так что мы только в самом начале пути. Vous savez, du point de vue de vraiment grosse entreprise, nous sommes vraiment au début de notre chemin. Nous sommes juste une petite start-up qui développe juste sa culture corporative, sa base de clients, son expérience positive, etc. Да, перейдем к следующему вопросу. Passons à la question suivante. Так, читаю. Alors. Pouvez-vous nous donner quelques nouvelles de l'évolution du projet des moteurs du Yunov? Nous avons appris que tout est devenu plus cher. La situation géopolitique a-t-elle des conséquences sur le projet? Pourriez-vous nous rassurer à ce sujet? Да, ну, наверное, я разделю вопрос на две части. На самом деле, я просто засыпаю после перелета. Я бы хотел разделить вопрос на две части. Это на новости, которые вы самостоятельно сможете прочитать в личном кабинете и узнать у Жиля Вебера. Вот. Я отвечу на вопрос относительно геополитической ситуации, как она влияет на проект. Вы знаете, я voudrais... diviser cette question en deux parties. En fait, je m'endors après mon vol aussi. Donc, la première partie, ce sont les actualités et vous pouvez bien les lire vous-même dans le back-office ou bien demander des renseignements de Gilles Weber. Mais moi, je vais prendre la deuxième partie de la question, donc la situation géopolitique et ses conséquences. Безусловно, геополитическая ситуация повлияла и на проект, вот, и на компанию, и на взаимоотношения с клиентами, и в том числе на активность, которую мы бы могли использовать с большим потенциалом. Bien sûr, la situation géopolitique a bien eu l'impact sur le projet, sur nos relations avec les clients, sur les activités qu'on aurait pu avoir potentiellement. Ну, с точки зрения ограничений в инвестиционной деятельности в партнерской, тьфу-тьфу-тьфу, у нас их нет, как вы могли заметить, потому что наша компания находится в нейтральной зоне, в офшорной зоне, и никаких ограничений на нас не накладывают. Donc, du point de vue légal, on est dans la zone offshore, comme je l'ai déjà expliqué au début. Et donc, comme nous nous trouvons là, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de restriction liée à cela. Но, безусловно, геополитическая ситуация, она накладывает, имеет, наверное, окрас и международный, и локальный с точки зрения
настороженности людей к российскому бизнесу. Mais bien sûr, la situation donc géopolitique actuelle a un impact, on peut dire, international et local du point de vue d'attitude des gens et de leur sens peut-être de précaution vis-à-vis du business russe. Ну, что я имею в виду, наверное, с точки зрения какой-то аудитории, которая смотрит не так далеко с точки зрения инвестора, с точки зрения создания капитала и потенциалов, наверняка есть такие мысли, что инвестировать в Россию токсично, например. Я слышал такие несколько высказываний, что вот Россия токсичная страна с точки зрения инвестиций. Par exemple, du point de vue d'investissement, de capital, du potentiel, j'ai entendu dire quelquefois voilà, des choses comme quoi la Russie, c'est un pays toxique du point de vue d'investissement. Такое мнение имеет место быть. Отрицать его, ну, мы, наверное, не в силах и не должны. Вот единственное, мы можем сказать то, что у нас есть огромный внутренний рынок, вот, и огромный азиатский рынок Азии, Индии, то есть об Азии я говорю, о Китае и о множестве азиатских стран, которые являются уже на сегодняшний день нашими клиентами, вот, и потенциальными клиентами в том числе. Vous savez, on ne peut rien voilà, faire, on peut juste voilà, peut-être refuser, ces, on ne peut pas refuser ses opinions, on peut juste voilà, accepter le fait qu'elles peuvent voilà, avoir lieu. Mais sinon, je peux dire que nous avons un grand marché interne et nous avons aussi un marché asiatique. Là, je parle de l'Inde, de la Chine, d'autres pays asiatiques où nous avons beaucoup de clients et aussi beaucoup de clients potentiels. Вся геополитическая обстановка очень сильно активировала правительство Российской Федерации с точки зрения определения потенциалов с целью импортозамещения, внутренних потенциалов, производственных потенциалов. Vous savez, cette situation politique a bien activé le gouvernement russe du point de vue du potentiel interne du pays, donc du potentiel industriel de production. Là, je parle de remplacement des imports, de la substitution des imports. Компанию «Совалмаш» постоянно зовут на различные государственные выставки сейчас. Вот недавно Александр Сударев выступал на очень серьезной выставке, где были представители бизнеса, представители правительства. По сути, это заказчики нашей технологии тогда, когда мы завершим реализацию нашего проекта. Sauvelmash est régulièrement invité à des expositions voilà, d'État. Et il y a quelques temps, Alexandre Sudarev a fait donc, une présentation à un événement très important où il y avait des représentants du business, du gouvernement. Et tous ces gens sont nos futurs commanditaires. Voilà. Là où, donc dans le futur, quand la technologie sera prête et on sera à la fin de notre projet. А нам с вами, как инвесторам, абсолютно, ну, на мой взгляд, безразлично, кто будет выступать заказчиком. Это будет выступать Российская Федерация, Китай, Индия или другие азиатские страны, или это будет Латинская Америка. Для нас самое важное – это коммерциализация технологии, чтобы компания зарабатывала, и мы зарабатывали вместе с вами, создавали капитал. Vous savez, pour nous, en tant qu'investisseurs, en fin de compte, il n'est pas très important qui sera commanditaire voilà, de la technologie. La Russie ou l'Inde ou la Chine ou un pays asiatique ou l'Amérique latine. Pour nous, l'essentiel, c'est de commercialiser la technologie et de pouvoir gagner pour que l'entreprise et nous puissions gagner. Et таким проектом, как наш, сейчас в стране открывается окно возможностей и зеленый свет, как на светофоре, только чтобы мы развивались, чтобы нам никто не мешал. И, вы знаете, pour les projets comme le nôtre, maintenant on a une vraie fenêtre d'opportunité et on a un vrai feu vert, voilà, et on peut nous développer sans problème, sans obstacle. Так что ситуация абсолютно неоднозначная. В долгосрочной перспективе она
не могу сказать, что как-то на нас повлияло. Вот, у нас до этого возникали в стране такие ситуации конфликтные. Вот, и есть примеры альтернативных стран, в том числе и США, когда возникали конфликтные различные ситуации, которые влияли и на фондовый рынок. Вот, и если смотреть в горизонте там, не одного-двух годов, то ситуация, ну, на наш взгляд, она открыла для нас новые возможности, которые вполне возможно без этой ситуации не открылись бы. Vous savez, à long terme, je dirais que voilà, je ne vois pas d'impact vraiment de cette situation sur notre projet. Et vous savez, notre pays donc avait certains conflits avant et d'autres pays, des pays alternatifs, on peut dire, comme les États-Unis, ils ont aussi été donc impliqués dans des conflits avant. Et voilà, tout cela a lieu régulièrement. Et moi, je dirais même que, vous savez, à l'horizon de une ou deux années, je ne vois pas cet impact. Et au contraire, je pense qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent devant nous. Et peut-être sans la situation actuelle, ces opportunités ne se seraient pas présentées. Ну, сейчас я даю оценку ситуации только с точки зрения бизнеса, ни в коем случае не политической оценки, только с точки зрения бизнеса. Mais je souligne que maintenant, donc j'essaie d'estimer, d'évaluer cette situation du point de vue de business uniquement. Je ne donne pas de, voilà, d'évaluation politique de quelque sorte. Так, у нас осталось с вами три вопроса. Ну вот, и нам надо заканчивать. On a trois questions qui restent, je crois, et il nous faut finir. Alors, перейдем к пятому вопросу. Passons à la question 5. Так, читаю. La pandémie ne vous avait plus trop permis de voyager et d'aller à la rencontre des investisseurs et partenaires. Envisagez-vous de visiter certains pays? Что касаемо пандемии, да, действительно, были ограничения на перемещение по земному шару. En ce qui concerne la pandémie, c'est vrai qu'il y avait des limitations, des restrictions concernant les déplacements sur la planète. Сейчас эти ограничения в большей части стран уже сняты. Maintenant, dans la plupart des pays, ces restrictions ne sont plus là. И мы расширили нашу команду, кто занимается открытием представительств и участием в открытии в конференциях открытия представительств. Et nous avons élargi notre équipe qui s'occupe de l'ouverture des représentations nationales et de la préparation qui va avec. Когда мы сейчас открывали представительство в Колумбии, не было возможности туда полететь, и не всегда есть экономическая целесообразность, на самом деле, перелетов из России. Là, on a ouvert une représentation nationale en Colombie et on n'y est pas allé. Mais vous savez, il n'est pas toujours raisonnable, pratique, donc d'aller quelque part depuis la Russie. Да, и в Колумбии летал один из ведущих партнеров, это Бирди Гульшан Кумар, национальных партнеров. Et l'un des partenaires nationaux, donc voilà, leader, est allé en Colombie, c'était Бирди Кумар. Кстати, вам тоже очень повезло, Жюль Вебер является одним из ведущих национальных партнеров. Cela dit, vous avez tous aussi de la chance parce que Жюль Вебер est aussi l'un de nos partenaires nationaux leaders. Повезло работать с таким профессионалом и учиться у него. Vous avez de la chance de travailler avec un tel professionnel et de pouvoir voilà, donc, être formé par lui en quelque sorte. Да, ну, вернемся назад. Сейчас пройдет конференция, повторная конференция в Нигерии, туда тоже полетит Бирди Гульшан Кумар. Très bientôt, on va avoir donc une conférence, une deuxième conférence, une conférence répétée au Nigeria, et pareil, c'est Бирди Кумар qui y ira. Регулярно проводятся конференции в Индии. On a des conférences régulières en Inde. Проходят конференции в Африке также. En Afrique également. Мы в ближайшем будущем планируем с Жюлем Вебером конференцию в Кот-д'Ивуаре. Très bientôt, on va avoir une conférence avec Жюль Вебер en Côte d'Ivoire. В которую, на которую сможет прилететь один из представителей компании Solar Group. Возможно, это буду я, Павел Филиппов. А возможно, это даже будет руководитель партнерской сети Алиса Кузнецова.
Et donc, un représentant de cela groupe pourra donc aller en Côte d'Ivoire. Ce sera peut-être moi, peut-être Pavel Filipov, et peut-être même chef du réseau de partenaires de la société Alessa Kuznetsova. Да, сейчас я нахожусь в Казахстане тоже для того, чтобы провести конференцию и настроить работу партнеров в регионе. Maintenant, je suis moi-même au Kazakhstan pour, voilà, pour la conférence et pour aider à établir les conditions, voilà, de travail des partenaires. Потом мы проведем международную конференцию в России, как я уже говорил ранее. Puis, on aura une conférence internationale en Russie, comme je l'ai déjà dit. Далее мы полетим в Македонию с Павлом Филипповым. Puis, Pavel Filipov et moi, nous irons en Macédoine. Это все означает то, что маховик, вот эта международная экспансия, международные взаимоотношения сейчас закручиваются заново после пандемии. Cela veut dire que cette grosse roue d'expansion internationale donc commence, recommence à rouler après la pandémie. Да, перейдем к следующему вопросу. Et maintenant, passons à la question suivante. Читаю. De nouvelles promotions et actions commerciales permettent actuellement d'avoir beaucoup d'avantages. Pourriez-vous nous en parler un peu? Мы запустили 4 промоушена для всех партнеров. Alors, nous avons lancé 4 promotions pour tous les partenaires. Точнее сказать, я забегу немного вперед. Следующий вопрос. Мы запустили 4 промоушена и новый партнерский статус. Et je vais me devancer et prendre en quelque sorte la question suivante. On a lancé 4 promotions pour les partenaires et un nouveau statut de partenaire. Хочется сказать, зачем вообще нужны эти промоушены. Et je voudrais vous dire pourquoi on a besoin de ces promotions. Наукой доказано и опытом, что геймификация помогает людям не терять мотивацию в развитии и упрощать процесс развития и роста и достижения результатов. Donc la science et l'expérience montrent que la ludification des processus donc aide à motiver plus les gens et à rendre donc le fait d'atteindre les résultats plus facile. Система промоушенов состоит из различного вида мотивационных инструментов для партнера, с помощью которых он сможет, как знаете, говорят, разделить слона. Чтобы съесть слона, нужно разделить его на маленькие кусочки. Вот с помощью этой системы партнер делит большую задачу на маленькие действия и быстрее достигает результатов. Vous savez, donc ces promotions, c'est comme un ensemble d'outils pour motiver les partenaires. Vous savez, pour manger un gros éléphant, il faut le partager en plusieurs morceaux. Et là, c'est idem. Donc, on prend une grosse tâche et on la décompose en petits morceaux. Одни промоушены направлены на карьерный рост, то есть на мотивацию карьерного роста, когда необходимо партнеру достигнуть нового партнерского статуса, помимо за это достижение он получит и новую мотивацию финансовую, которая стоит за этим статусом, а также доллары просто и объем долей в зависимости от различных статусов. Этот промоушен называется «Гонка партнеров». Donc, il y a des promotions qui visent donc le fait que le partenaire va gravir les échelons dans sa carrière et cela va le motiver. Donc, c'est pour acquérir un nouveau statut et cela veut dire une motivation financière qui va avec et aussi des dollars ou un certain volume de parts qui va aussi avec. Et cette promotion s'appelle la course des partenaires. Да, еще один промоушен направлен на личные продажи, на развитие личных продаж. У нас партнер получает в первой линии максимум 16% мотивации, вот, но эту мотивацию он может увеличить до 26%. Продавая больше инвестиционных пакетов, он играет в игру вот этого прогресса и достижения маленьких результатов. Но достигая здесь результатов, он развивает свою структуру и в целом зарабатывает больше. On a aussi une promotion qui vise donc les ventes personnelles, le développement des ventes personnelles. Vous savez, un partenaire peut avoir donc une récompense de 16%, mais donc grâce à la promotion, ce montant peut grandir jusqu'à 26%. Et ainsi, donc un investisseur, donc pardon, un partenaire donc peut vendre plus de packs d'investissement à ses clients et ainsi il peut donc obtenir des petits résultats. Voilà, dans le cadre de cette promotion. Mais quand même, au même temps, il
donc agrandit sa structure, elle développe sa structure et elle gagne plus en général. Есть промоушен, направленный на партнеров, которые делают немного маленьких продаж, а совершают большие продажи личные. Il y a aussi une promotion, par exemple, qui vise non pas le fait d'effectuer plusieurs petites ventes, mais plutôt le fait d'effectuer donc des grosses ventes personnelles. Да, и тут в зависимости от объема продаж партнер получает, допустим, значок с бриллиантом, ручку, часы и даже ноутбук, MacBook. Et là, donc, en fonction du volume des ventes personnelles, un partenaire peut donc obtenir donc une broche avec un diamant, un beau stylo, une montre et même un ordinateur portable, un MacBook. То есть партнеры они сами по себе могут достигать этих результатов, но геймификация позволяет дополнительно замотивировать и сделать декомпозицию его действий, за которые действия он будет чуть-чуть премирован, и это вызывает очень сильный эффект развития. Bien sûr que chaque partenaire peut obtenir ses résultats tout seul, mais quand même cet aspect de ludification aide à le motiver encore plus et cela décompose une grosse tâche en plusieurs petites tâches et donc un partenaire touche une certaine prime pour chaque étape de cette tâche et cela a un très bon effet. Также есть промоушен, называется «Вызов для лидера». Это когда партнер замотивирован не лично заниматься продажами, а замотивирован развивать свою структуру. За каждого, допустим, нового партнера в статусе специалист, мастер, эксперт, профессионал, партнер получает бонусные инвестиционные доли, то есть там до 8 тысяч инвестиционных долей. Et on a aussi une promotion qui s'appelle le défi pour le leader. Ce n'est pas pour en fait, développer les ventes personnelles, mais c'est pour développer sa structure. Et chaque donc, partenaire obtient des bonus, jusqu'à 8000 bonus de part d'investissement pour chaque donc, nouveau spécialiste, expert, master ou professionnel dans sa structure. Ну и статус президента, он такой тоже отчасти является промоушеном, потому что имеет реквалификационную опцию, когда партнеру постоянно нужно подтверждать свой статус, что он самый лучший среди всех партнеров. Вот, и таких партнеров на сегодняшний день всего 7 человек. En ce qui concerne le statut de président, c'est, vous savez, c'est quelque chose qui permet de requalifier toujours la personne. En fait, un partenaire doit confirmer tout le temps son statut et prouver tout le temps qu'il est le meilleur. Et à l'heure actuelle, on a 7 personnes dans le statut de président. Et si je ne me trompe pas, un des 7 человек, Жюль Вебер. Et si je ne me trompe pas, l'une de ces 7 personnes, c'est Жюль Вебер lui-même. Да, супер, это классно. Вот. Обо всех этих промоушенах, условиях вы можете узнать в разделе промо-акции для партнеров. Вот. И также есть там акции для инвесторов. Alors, pour apprendre plus de choses sur ces promotions et sur les conditions, vous pouvez aller dans la section promotion dans le back-office pour voir les promotions pour les partenaires et pour les investisseurs également. Да, это вот все эти стимуляционные меры, о которых я говорил ранее, в виде промоушенов, это вот тоже является частью моей функциональной деятельности в рамках моей должности. Et ces mesures de stimulation, de motivation, c'est, comme je l'ai déjà dit avant, cela aussi fait partie de mes fonctions en tant que, dans mon poste dans la société. Так, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы, мы с вами немножко задержались, уже полтора часа. Я на самом деле, у меня уже голова стала тяжелая, она туда-сюда и засыпает после перелета. Вот, у меня уже почти 3 часа ночи. Chers collègues, investisseurs, partenaires, donc on a eu un petit peu de retard, cela a duré presque 1h30, ma tête est très lourde, après le vol, je m'endors parce que lâche moi, il est presque 3h du matin. Вот, так что вопросы, которые дополнительные вы подготовили, вы можете задать Жюлю Веберу, он, если что, не будет знать ответа, передаст мне, я отвечу ему, а так вы можете оставить их на следующий раз.
и также составить список вопросов, и я с большим удовольствием отвечу на них. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les laisser à Gilles Weber. S'il ne pourra pas répondre lui-même, il va me les passer à moi. Et la prochaine fois, voilà, vous pouvez faire une liste et ce sera avec plaisir que je répondrai, voilà, la fois prochaine. Большое благодарю вас за внимание, за то, что вы, как у нас было 30 человек в чате, здесь так они остались. Весь вебинар вы смотрите, это очень приятно, что вам интересно, вот, и вы интересные вопросы задаете. Merci beaucoup pour votre attention. On était voilà, à peu près 30 au début et on est toujours 30 voilà, voilà, dans le chat. Je le vois parmi les participants et c'est superbe. Voilà, on a eu un très bon webinaire et vous posez également des questions très, très intéressantes, ce qui fait plaisir. Да, ну и огромная благодарность тем людям, кто организовывает эти вебинары в нашей команде, также переводчику Анастасии, Жиле Веберу, Барбаре, всем партнерам большое спасибо. Благодаря вам мы ведем эти вебинары, есть для кого вести, вот, так что огромное вам спасибо. И merci énormément à tous ceux qui organisent voilà, des webinaires comme celui-là. Merci beaucoup donc à Gilles Weber, à Barbara, à l'interprète Anastasia, à tous les partenaires. Merci beaucoup à vous. Et c'est bien qu'on a des gens pour qui on peut organiser ces webinaires. Donc, merci énormément pour cela. Да, ну и, естественно, уважаемые инвесторы, вас благодарю за доверие, за поддержку проекта. И мы оправдаем все ваши ожидания. Et chers investisseurs, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre confiance. On sera à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup, Pavel. On va le laisser aller dormir. Moi, je vais répondre encore à quelques questions. Je voudrais bien sûr lui souhaiter la bienvenue parce qu'apparemment, il a annoncé des choses très intéressantes. Et si ceux qui ont eu l'oreille, eh bien, j'espère, auront entendu certaines choses qu'ils auront apprises ce soir. Et donc, bonne nuit, Pavel. Merci beaucoup. Merci, Anastasia. Et moi, je vais poursuivre à répondre à quelques questions qui ont encore été posées. Огромное спасибо, Павел. Отпускаем вас спать. Я думаю, что многие очень интересную информацию услышали и такие интересные, ну, действительно, вещи. А я сейчас останусь с участниками и продолжу отвечать на их вопросы. Мы еще здесь задержимся. Большое спасибо, Жиль. Анастасия, всего доброго. Merci beaucoup, Жиль. Merci beaucoup, bonne soirée à vous deux. Et moi, je poursuis bien sympathiquement avec les gens qui sont ici dans la salle et qui ont posé quelques questions, ça et là, auxquelles je peux personnellement répondre, bien sûr, parce que ce sont des questions assez communes. Alors, il y avait tout à l'heure ici dans le chat une question de la part de Apollinaire. Je voudrais savoir, après la mise en service du BTI, y aura-t-il un service après-vente dans différents pays, c'est-à-dire la représentation de Sauvelmage dans différents pays. Alors, je voudrais donner quelques précisions sur tout cela. Parce que, en fait, il faut comprendre une chose. Voyez-vous que, en fait, à la base, nous avons une société qui va se créer. Cette société va faire ce qu'on appelle un transfert de technologie. Donc, si vous avez vous-même, dans votre pays, des sociétés qui sont intéressées par avoir de la technologie et avoir un transfert de technologie, c'est-à-dire pouvoir créer des moteurs de ce type-là sur leur propre chaîne de montage, c'est-à-dire que c'est peut-être à la base, je ne sais pas moi, un fabricant de tracteurs, un fabricant de voitures, un fabricant de climatiseurs ou un fabricant de moulins à café, que sais-je, eh bien, en tout cas, ça va vous permettre eh bien, que cette usine puisse adopter les produits qui sont proposés par M. Duhunoff. Et là, ils vont s'adresser à M. Duhunoff, ils vont leur demander 50 millions de dollars et en fait, ils vont pouvoir s'installer directement dans l'usine en montrant la chaîne de montage, dire voilà, coucou, voilà, vous prenez cette machine-là, on va vous l'installer là, on va vous montrer, on va ramener le personnel qui va vous expliquer comment elle fonctionne et vous allez vous-même pouvoir faire vos moulins à café pour pouvoir les vendre dans votre pays. Est-ce que vous voyez la notion? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas Sauvelmage qui va créer une succursale dans votre pays. C'est en fait un client X, Y, Z. Le client, c'est peut-être votre voisin qui a une usine de moteurs, tout simplement. Vous habitez peut-être juste à côté d'une usine qui fabrique des moteurs. Eh bien, cette usine va faire appel à M. Duhunoff et M. Duhunoff va envoyer ses équipes pour pouvoir mettre en place une chaîne de montage pour fabriquer les fameux moteurs dont cette usine aura besoin. Est-ce que vous voyez la notion? Donc, ce n'est pas forcément parce que déjà, il faut déjà avoir
un bureau d'études et d'ingénierie à Zelenograd dans la zone économique spéciale. Il faut déjà le mettre en service et il faut commencer à travailler et avoir des clients pendant 1, 2, 3 ou 4 ou 10 ans pour qu'on puisse aussi générer des revenus. Donc, ça ne sert à rien de multiplier des succursales dans différents pays alors qu'en fait, ce qu'on nous demande, pas autre chose que d'avoir des clients dans chaque pays. Vous voyez, j'espère avoir répondu un petit peu à cette question parce que c'est une petite confusion en fait que l'on a. On pense toujours qu'on va créer des succursales ça et là, alors qu'il faut déjà commencer par finir le bureau d'études et d'ingénierie et commencer à recevoir des dividendes de tout le travail et tous ces efforts qui ont été fournis depuis 4 ans déjà. Et c'est, à mon avis, déjà un premier objectif à atteindre et qui n'est pas facile à atteindre. Maintenant, je voudrais revenir sur quelques questions qui ont été posées en dehors et auxquelles je souhaiterais répondre. Est-ce que Solar Group envisage d'ouvrir un bureau à Haïti? Je crois que Pavel a répondu à cette question. Donc, vous avez eu la réponse tout à l'heure, oui. Mais encore une fois, je ne sais pas si vous avez eu la nuance de ce qu'il a expliqué. Il a expliqué qu'effectivement, ce n'est pas forcément un bureau physique, c'est ce qu'on appelle un bureau représentatif. C'est-à-dire que c'est une personne qui va représenter Haïti et qui va effectivement être le partenaire national pour soutenir les équipes en place. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est un bureau physique. Vous ne faites pas vraiment la différence quand on dit ouvrir. Là, par exemple, on a ouvert récemment la Colombie, mais il n'y a pas de bureau. Ce n'est pas un bureau physique, on ne rentre pas dans une porte dans un bureau. Vous comprenez, c'est une représentation nationale, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est là et qui fait la représentation, qu'il s'agit de Elena Lozada, qui vient d'être donc nommée représentant et partenaire national de la Colombie. Et vous avez entendu, Pavel vous a dit qu'il y a bien d'autres pays qui vont encore ouvrir, Espagne, Brésil, Mexique, Kazakhstan, il est en ce moment au Kazakhstan, et puis Haïti, bien sûr, fait partie. Donc, on a répondu à cette question assez largement, je pense maintenant. Alors, à quel moment peut-on voyager si on a investi 50 000 dollars? C'est vrai qu'il vous avait été dit récemment et plusieurs fois déjà que si vous investissez 50 000 dollars, pas 50 000 parts, 50 000 dollars dans le business, eh bien, vous avez droit à un voyage VIP pour aller visiter le chantier Sauvelmash, etc. Quand est-ce que ça va être organisé? Vous avez reçu une réponse partielle de Pavel tout à l'heure qui vous a dit que début août, nous allons, ou cet été, il a dit début août, il est possible que l'on organise une grande conférence donc à Moscou et ce serait l'idéal de venir à ce moment-là. Maintenant, tout cela reste à voir précisément avec la direction. Je ne peux pas vous répondre quand précisément et quoi, mais ça se prépare et on ne peut pas y aller comme ça en disant « hop, je saute dans un avion et j'y vais ». Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparatifs. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec eux et croyez-moi que quand on va à Moscou, eh bien, on prépare ça plusieurs mois à l'avance avec les visas et tout, tout ce qu'il faut. Ce n'est pas aussi facile que vous pouvez le penser. Donc, ça s'organise et tout ça, il faut mettre en rapport avec les services de la société qui s'occupe de ça. Quels sont les critères pour représenter les moteurs Solar Group Sauvelmash en Afrique? Alors là, je voudrais préciser que vous pouvez ouvrir éventuellement une concession. Une concession, c'est quoi? C'est que vous pouvez représenter les moteurs de Monsieur Arestov, Victor Arestov. Il est en Chine et Victor Arestov, lui, il a des véhicules. Et ces véhicules, vous pouvez devenir concessionnaire. Seulement, il faut que vous ayez quelqu'un qui ait des connaissances électromécaniques ou électrotechniques pour pouvoir avoir un minimum de réparation et de services après-vente à faire à des personnes. Donc, est-ce que vous êtes électrotechnicien? Est-ce que vous êtes électromécanicien? Ou est-ce que vous avez une société qui travaille dans ce domaine qui embauche un électromécanicien ou un électrotechnicien? Voilà la première condition. Et ensuite, vous devez avoir possibilité d'investir minimum 10 000 dollars pour commencer à acheter des moteurs, des véhicules, pour pouvoir les montrer à vos clients. Voilà donc les quelques conditions pour savoir comment faire. Adressez-vous à moi, je vous mettrai en relation avec Victor Arestov et nous en discuterons et nous allons voir s'il y a des possibilités pour vous en fonction de vos compétences professionnelles, bien évidemment, ou des gens que vous pourriez mettre en place avec une structure commerciale.
Quel est l'impact de la situation politique sur l'investissement des membres? On parle bien sûr du conflit. Pavel vous a répondu. Je ne vais pas reprendre des termes. Il vous a dit que, bien au contraire, ça pourrait même si ça a un impact temporaire sur certaines choses, eh bien, sur l'investissement en tout cas, cela pourrait être encore plus bénéfique dans les prochaines années. Et la société n'était pas impactée au niveau des besoins en matériel pour construire ses moteurs. Vous n'avez pas suivi l'actualité, monsieur de Unov, et nous avons une vidéo qui va paraître, qui va vous présenter qu'effectivement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement russe fait appel à Sovelmash pour pouvoir justement avoir des pièces détachées qu'ils ne peuvent plus importer. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'inverse de ce que vous pensez. C'est-à-dire que le gouvernement fait appel à Sovelmash pour pouvoir avoir plus d'éléments et de pièces détachées pour construire les moteurs. Donc, c'est tout l'inverse de ce que vous imaginez là. Comment faire pour partager l'opportunité? Là, nous avons une formation dans le back-office, une formation qui est en place et qui vous permet effectivement d'avoir beaucoup d'éléments pour pouvoir travailler. Cette formation, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, vous avez comment offrir un cadeau, comment inviter des gens, comment inviter des gens au webinaire, comment inviter des gens aux présentations physiques, comment entretenir la clientèle, comment parler du projet, etc. etc. Il y a 9 chapitres avec des textes longs comme ça. Je vous en prie, allez dans votre back office. Allez dans votre back office. Tout est dedans. Tout, 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 tout. Et beaucoup de gens posent tellement de questions, mais ne lisent rien. S'il vous plaît, allez dans votre compte Solar Group et regardez tout ce qui s'y trouve. Il y a tellement, tellement d'informations et tellement de choses qui s'y trouvent. Alors, ensuite, peut-on investir en 10 fois comme dans d'autres projets? Oui, bien sûr. Suivez un webinaire, venez à nos webinaires explicatifs et nous allons vous montrer tout cela. Inscrivez-vous, on peut vous inscrire, cher monsieur Zobal, et nous allons pouvoir vous montrer tout cela. Tout est en votre back-office. Alors, quel est le montant le plus petit du contrat? Le plus petit est de $500 à raison de $50 par mois. Et je vous donne l'argent en francs CFA parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent d'Afrique. 35 000 francs CFA pour démarrer. Est-ce que ce système marche comme un réseau de marketing? Oui, bien sûr, mais c'est une option. Si vous êtes intéressé par le marketing de réseau, vous pouvez le faire, mais si cela ne nous intéresse pas, vous pouvez juste être investisseur. Autre question, le jour que Sovelmash va commencer à produire les moteurs à grande échelle, prévoit-elle aussi d'ouvrir quoi donc? Eh bien, nous allons voir la reste de la question, d'ouvrir d'autres usines filiales dans d'autres pays que la Russie. J'ai répondu à la question tout à l'heure. D'abord, il faut commencer à comprendre ce que fait Sovelmash avant de dire qu'on veut aller à ailleurs. Pourquoi voulez-vous toujours aller voir ailleurs alors qu'on n'a même pas fini la construction du bureau d'études et d'ingénierie à Zelenograd? Commençons déjà par ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ensuite, nous allons pouvoir voir ce qu'on va faire. Et je vous le dis, en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des clients qui construisent des moteurs dans votre pays qui sont susceptibles de devenir des clients de monsieur de Unov, de la société Sovelmash, à qui on va apprendre et transférer la technologie pour pouvoir fabriquer des moteurs dans votre pays. Donc, c'est peut-être même votre voisin qui va faire ça. Ensuite, question suivante, et on est presque à la fin. Combien de temps dure une étape à Solar Group? Eh bien, monsieur, on vous a répondu. Cela dépend, bien sûr, de beaucoup de facteurs et surtout des investissements parce qu'il y a des gens qui commencent acheter des packs et qui les abandonnent. Et ça, malheureusement, ça a un impact négatif sur l'avancée du projet. Parce que toutes ces personnes qui ne payent pas, eh bien, en fait, ça ralentit le projet parce qu'on est obligé de trouver un autre investisseur à la place pour remplacer celui qui s'était engagé au début. Donc, c'est vraiment très important de payer toutes ces mensualités. Et on vous offre beaucoup d'avantages pour pouvoir les rattraper si vous n'avez pas eu cette information. Si vous avez des gens qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir remplir leurs obligations de payer leur PAC, adressez-vous à moi. Je suis très souvent partenaire national de beaucoup de pays, de gens qui nous écoutent ce soir encore. Venez me contacter. Je ne suis pas un fantôme. Je réponds
et on peut trouver des solutions à condition que vous y mettiez un peu du vôtre et un peu d'action et pas toujours d'excuses. Voilà, parce que souvent les gens ont trop d'excuses. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, mais ça fait un an qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas et ils ne font pas de partenariat, ils ne cherchent pas de solution. Désolé de le dire comme ça, mais on gagne de l'argent avec ce labo, donc. Et si vous n'avez pas l'argent, eh bien, faites quelque chose pour le gagner et on vous propose la solution, mais visiblement, vous ne l'entendez pas. Le site va-t-il toujours continuer à fonctionner? Pourquoi ne cesserait-il de fonctionner? Quelle est cette question? Pourquoi est-ce que le site cesserait-il de fonctionner? Nous n'avons aucun problème de ce côté-là. Le site continue à fonctionner et en tout cas, une chose est sûre, c'est que après le projet des moteurs de Unov, eh bien, nous allons avoir d'autres projets qui vont se profiler à l'horizon et nous aurons l'occasion de vous faire gagner de l'argent à travers ces autres projets. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour des questions. J'espère avoir répondu à tout le monde. C'est vrai que ça allait peut-être un peu plus vite. J'étais un petit peu raccourci à la fin. Mais on a déjà passé beaucoup de temps à vous répondre à beaucoup de questions et on est très heureux aussi de pouvoir vous répondre et d'avoir pu avoir comme invité Pavel Chatsky qui, vous l'avez vu, est aussi très fatigué. Hein, il était tard chez lui au Kazakhstan, mais beaucoup de choses ont été annoncées. Je vous souhaite de regarder le replay. Si vous êtes en train de regarder le replay, eh bien, tant mieux. Mais à partir donc du 24 mai, j'espère pouvoir mettre le replay en route pour que vous puissiez réécouter et réécouter encore tout ce qui a été dit parce que beaucoup de choses ont été dites et j'espère que vous allez savoir lire entre les lignes et que vous allez écouter et réécouter encore parce que vraiment sympathiquement, il y a des tas de trucs qui ont été dits et que moi, je n'ai pas encore révélé, mais que Pavel vous a déjà dit. Voilà, chers amis, j'espère que tout va bien. J'espère que vous avez eu réponse à beaucoup de vos questions. Je vous remercie beaucoup encore d'avoir été aussi nombreux dans ce webinaire et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, je ne vois plus de questions dans le chat. Merci, merci à tous. C'était Gilles en direct du Bénin. Oui, je suis encore au Bénin, mais bientôt ça va changer. Allez, Pavel vous a tout dit en fait. Voilà, réécoutez. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.